Pour célébrer la Saint-Valentin sur Adopt-Me, la première chose à faire est d'avoir un Valentin, quoi. Alors moi, j'en ai pas. Donc je vais attraper Ombre parce que Ombre, c'est mon pet préféré, c'est mon dream pet. Et donc je vais fêter la Saint-Valentin avec elle. Allez, viens là. Hop, coucou Ombre. Et oui, c'est mon pet adoré, vous le savez. Elle est contente d'être là. Oh, regardez-moi ça, comme elle est trop mignonne. On va rentrer dans la maison des chouchous et puis on va commencer un petit peu à voir toutes les choses qu'on peut faire pour célébrer la Saint-Valentin sur Adopt Me avec ce qu'il y a déjà. En attendant, qu'il y ait plus, hein. J'espère qu'il y aura d'autres choses. Alors déjà, pour commencer, on peut éditer sa maison en mettant sur des murs. J'imagine que on va voir des cœurs. Voilà, super mignon, c'est facile. Et pour le sol, alors je vais le laisser comme ça, c'est pas du tout ça que je voulais faire, c'est appuyer sur floor. Mais pour le sol, je vais le laisser comme ça, mais on peut mettre des cœurs, on peut mettre des cœurs partout, regardez ça! Ce serait un peu too much, donc on va pas faire ça. Mais voilà, on peut mettre des cœurs. Regardez tous ces cœurs pour les chouchous. Parce que vous aussi, je peux vous faire une déclaration d'amour. Voulez-vous être mes Valentins, les chouchous? Je vous adore. Deuxième chose qu'on peut faire pour décorer la maison, c'est utiliser certains articles qui sont dans le stuff, les objets de décoration. À mon avis, si on tape heart ou cœur, peut-être en français, regardez tout ce qu'on trouve. On a un tapis, une lampe, vous la connaissez. Alors n'oubliez pas que on peut pas en changer la couleur, par contre elle est forcément rose. Le tapis par contre on peut. C'est proposé. Ah ben, je l'ai mis à l'envers, super. Voilà, on peut changer la couleur et on peut, si on a envie d'être assorti, on peut le mettre en rouge. La chaise c'est pareil, elle est super jolie. Et on peut changer sa couleur aussi, on peut la sortir. Pourquoi pas une chaise rouge. Et puis ensuite, ce sont ces fenêtres, donc c'est ça que vous voyez derrière moi. Et il y a tout simplement le trône géant. En toute simplicité, hein, vraiment, voilà, soyons modestes. Hein. On peut s'asseoir, hop, ou asseoir ombre. Et si je le change, je sais plus, est-ce qu'il y a la couleur? Oui, on peut aussi le changer la couleur. Voilà, alors en tout cas, ça, ce sont les choses faciles. Après, il y a des hacks de build. Je vous mets une playlist, d'ailleurs, j'ai pas pensé à vous le dire, avec plein de vidéos que j'ai trouvées sur YouTube avec des idées de déco, dont des hacks pour faire des cœurs avec des ballons, des cœurs en pixel art, des cœurs partout. Eh bien, regardez les chaises, je les avais déjà là. Voilà, alors ça, c'est déjà une bonne chose à faire pour le célébrer la Saint-Valentin avec Ombre ou avec Valentin, si vous avez plus un Valentin que un Shadow Dragon. En tout cas, vous pouvez. Ben forcément, si j'appuie sur cancel, moi je fais n'importe quoi. J'étais là, mais pourquoi ils disparaissent pas mes trucs? Ok, super. Et donc, si vous avez un Valentin ou une Valentine, eh bien célébrez-le avec lui, hein, ou avec elle. Et puis, si vous n'en avez pas, eh bien choisissez votre pote préféré, votre BFF. C'est pas grave, je vous prépare une vidéo sur toutes les choses qui sont super quand on est célibataire. Donc n'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour pas rater cette vidéo, je vous assure, elle va être géniale. Je l'ai pas encore tournée en fait, donc je me dis peut-être que ça va être bien, hein, quand même. Voilà, alors Ombre, on va te mettre là parce que pour la suite de la vidéo, il faut que tu sois là. Je vais m'habiller autrement, non, vous voulez pas, parce que là je suis quand même habillée n'importe comment. Qu'est-ce que j'ai comme comme tenue? Hop. Mais alors la deuxième chose qu'on peut faire pour célébrer la Saint-Valentin, c'est penser à apporter à l'être aimé son petit déjeuner au lit. Donc forcément, Ombre est au lit. Je vais lui apporter, je sais pas, qu'est-ce qu'elle veut manger? Hop, un sandwich, parce que Ombre, elle adore les sandwichs. Tiens, hop, oh, bonjour Ombre. Oh, quel beau réveil, t'as vu comme t'es contente, tu manges sur le lit. Ah, c'est un peu dégoûtant. Bon, le petit déj au lit, hein, c'est pas forcément hyper propre. La deuxième chose qu'on peut faire pour célébrer la Saint-Valentin, c'est faire couler un bon bain pour son être aimé. L'être aimé et Ombre. Alors, est-ce que j'ai des baignoires ici? Bon, ben, elle va aller à la douche. Je vous montre en tout cas en vidéo
des exemples de super salles de bain de Saint-Valentin avec des pétales de fleurs. Alors c'est pas moi qui les ai fait, donc je vous mets évidemment tous les liens en description. Allez voir ces chaînes, c'est juste formidable. Moi j'ai pas pris le temps de faire des builds, mais en tout cas je préfère vous présenter des vidéos de personnes qui le font plutôt que de les copier. Et comme ça, vous pouvez aller vous inspirer pour vos propres builds de Saint-Valentin. Voici une autre idée d'activité de Saint-Valentin à faire avec votre ami. C'est de l'emmener au restaurant. Oups, j'ai raté le restaurant, n'importe quoi. Viens là, Ombre, hop, stop. On va aller prendre un petit repas super sympa à la pizzeria. Et je t'invite, ce soir c'est moi qui t'invite. On va se faire bonjour MC, on va se faire une petite pizza. On va la partager hein, parce que sinon on mange trop. On va prendre ça, qu'est-ce que c'est ces trucs ici là? C'est la viande, on va faire une pizza végétarienne. Hop, oh, j'ai oublié de mettre de la tomate. Et eh ben on va dire que c'est une sauce, une base crème fraîche. Décidément, ça tourne mal. On se fait servir à table, alors vas-y. On se met assis. Eh ben, je vais te garder dans les bras puisqu'on peut pas t'asseoir sur la. Puisqu'on peut pas t'asseoir sur la chaise. Et tiens. Bon, Ombre mange sur la table. Hein. C'est pas très Saint-Valentin, mais peu importe, c'est pas très très grave. Allez, on s'en va. Au revoir. Merci Ramsey. Alors devant tant de mignonitude, Ombre est complètement buggée. J'arrive plus à l'attraper. I need a shower. Ben ouais, tu m'étonnes. Je peux plus la prendre. Voilà, elle est toute buggée. N'importe quoi. Cette vidéo tourne au drame. À la Saint-Valentin, il est d'usage d'offrir un petit cadeau. Alors, je ne peux pas offrir à Ombre un cadeau ici. Je pourrais l'offrir sinon si c'était vraiment un amoureux sur Roblox. Je pourrais lui offrir d'ailleurs cet énorme cadeau pour prouver à quel point j'apprécie sa compagnie. Mais je vais plutôt aller chercher ici un gift, un petit cadeau. Voilà, comme ça. Et je vais lui offrir. Tiens, Ombre. Alors bon, je lui jette, hein. C'est pas trop sympa. Tiens, je t'offre ton cadeau, paf, va ramasser. En plus, elle me le rend, ben ouais, elle est pas contente, tu parles. Bref, on peut offrir un petit cadeau, on peut lui offrir aussi autre chose. Dans les toys, voyons ce que j'ai en heart. J'ai un ballon, alors je peux pas lui offrir parce que c'est un animal, donc forcément, bien, elle va pas pouvoir le prendre. Ou cette petite peluche là, regardez comme elle est adorable. Alors ça c'est un item ancien d'une update de Saint-Valentin il me semble aussi. Je peux, tiens, puisque c'est un pet, je peux aussi la promener dans mon stroller cœur. Voilà, alors elle serait encore mieux si elle était accompagnée avec un autre pet puisque c'est une poussette double. Et elle est hyper contente, voilà, joyeux Saint-Valentin Ombre, je te promène dans ma poussette. Car quand on est amoureux, on aime faire plein de choses avec l'être aimé et on peut partir en escapade, voilà, faire une petite promenade tout simplement. Alors là, pour le coup, c'est elle qui va m'emmener en escapade et on va voler un petit peu comme ça le long de la map en regardant, je sais pas, les paysages. Voilà, waouh, j'adore voler sur le dos d'Ombre et ça, c'est pas la peine d'attendre la Saint-Valentin, je le fais tout le temps, chaque fois que je joue à Adopt Me, je vole un petit peu sur son dos parce que je trouve que c'est hyper agréable. Si vous n'avez pas de pet fly, n'oubliez pas que vous pouvez en obtenir grâce à vos autres pets que vous pouvez monter en néon, en full grown. Et avec les items chers du jeu, il y a des personnes voilà, qui sont prêtes à céder une potion fly pour obtenir des pets légendaires par exemple. Donc si vous en avez, n'oubliez pas, voilà, pas besoin forcément d'avoir des Robux pour mettre son animal préféré en fly. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien, ce petit moment de détente entre amis, Ombre, je sais pas ce que t'en penses, mais vraiment, c'est une des meilleures activités de Saint-Valentin qu'on pouvait faire. Se détendre dans les eaux chaudes du le spa, un petit massage après ça, une bonne tisane et hop, le bonheur total. Alors une petite activité sympa aussi à faire pour la Saint-Valentin, c'est de s'habiller pareil ou en tout cas d'être assorti. Oh, c'est super mignon ça.
Alors, je pense que pour la Saint-Valentin, il faut pas forcément s'habiller en rose parce que ben, s'il faut être assorti, eh bien le Valentin, il va peut-être pas être content. Donc, on va plutôt s'habiller en rouge. Regardez ça, comme c'est super mignon. Un petit red bow. Il me semble que je l'ai déjà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres trucs un petit peu sur la thématique Saint-Valentin? Non, pas encore, on va dire. Allez, je coupe la vidéo, je fais une petite pause et puis je reviens avec nos tenues. Comment ça, je fais n'importe quoi? Bon, j'avoue, j'avoue, je t'ai pas trop réussi. En plus, t'es complètement malade, ma pauvre. Et pour une Saint-Valentin, c'est juste pas possible. On va aller à l'hôpital. Et puis, je vais lui refaire un petit peu son skin parce que c'est vrai, ça va pas du tout. Hein, elle a raison. J'ai mis un des trucs que je préfère dans le jeu. Ah ben, j'ai mis. Ça va les deux au même endroit. Il y a le papillon et la petite fleur là. C'est les trucs que je trouve vraiment le plus mignon. Je pensais qu'il allait en avoir un sur chaque. Sur chaque corne, mais non, pas du tout. Allez, on va à l'hôpital et puis on revient de suite. Infirmière aux tuiles, tu veux bien être mon vrai Valentin pour le 14 février plutôt que Ombre? Ah ouais, cool, merci. Voilà, je pense qu'on est ok pour le relooking. J'ai enlevé la plupart des choses d'Ombre. La pauvre, elle était vraiment super chargée. Voilà, c'est un petit look qui est avec des cœurs, mais qui est pas en rose. Voilà, j'avais envie de faire un skin comme ça. Je vous mets, n'oubliez pas que je vous mets des vidéos en description et puis en barre d'information, je vous mets une playlist en fait des vidéos que j'ai regardées un petit peu là pour me renseigner pour l'update de Saint-Valentin et pour vous donner des idées. Il y a des vidéos de personnes, des youtubeurs ou youtubeuses qui ont fait des skins. Donc ça peut vous donner des idées. C'est pour ça que je voulais pas montrer comment j'avais fait. Vous savez, j'ai tapé Hurt. Et love, heart pour dire cœur en anglais, Heart, et puis love dans les différentes sections, voilà, de pas de là, parce que là c'est pour les animaux, mais ici, là, à chaque fois, vous savez qu'on peut ici entrer un petit mot-clé, et donc ça permet de chercher, voilà, une couleur particulière, comme j'ai fait pour les cheveux, ou de chercher une thématique. Allez, on continue. La prochaine chose qu'on peut faire, c'est tout simplement se prendre en photo. Alors, je vais chercher un endroit qui est joli. Par exemple, imaginons, si on visitait un pays étranger, bien, on trouverait sans doute que ce pont est super beau. Et puis, avec le paysage là-bas derrière. Et puis, hop, photo. Voilà, on fait un petit selfie entre Valentin. Pour fêter cette Valentin, on peut faire un TikTok. Alors ça, je vous le fais pas non plus. Mettez-moi en commentaire si vous avez vu des TikTok sympas. Alors sur le Discord, encore mieux. Sur le Discord, faites-moi passer des TikTok de Adopt Me Saint-Valentin. Ça me fera super plaisir de les regarder. Pour la Saint-Valentin, une promenade au bord de la rivière. Ça, c'est chouette. On peut se poser par là. Et puis, un truc qui peut être sympa à faire, en tout cas si vous en avez, c'est de lancer une lanterne. Ça va être hyper beau. Je vous montre la lanterne, hop, comme dans Réponse. Et hop, on envoie une lanterne pour montrer au monde entier qu'on s'aime. Regarde Ombre, regarde, hop, je t'aime. On en envoie une autre. Voilà, hop. On en envoie une autre, je peux en envoyer plein, pour montrer à Ombre combien je l'aime fort. Et votre Valentin ou votre Valentine serait super content si vous avez un ami. Oula, je tombe dans l'eau. Si vous avez un ami qui a la lanterne, vous pouvez lui demander de faire un lancer de lanterne. Vous vous mettez de l'autre côté et puis vous regardez le spectacle avec votre amoureux ou votre amoureuse. Oh, c'est pas mignon ça. Pour la Saint-Valentin, vous pouvez acheter à votre amoureux ou amoureuse son aliment préféré. Alors Ambre, je vais lui prendre du jambon végétarien parce que c'est vraiment ce qu'elle préfère manger. Je lui en prends un, mais c'est un qui coûte cher. C'est de la super qualité, c'est du bio. Et bonjour Justine, s'il vous plaît, est-ce que je peux acheter ce jambon? Ah mince, j'en crois qu'un petit bout. Bon, ben, elle m'en voudra pas. Hein. J'ai réfléchi aussi à ce que je pourrais offrir à Ambre pour la Saint-Valentin et je me dis que des bonbons, ça peut être pas mal. Alors je vais attraper le Candy Cannon et puis je vais envoyer des bonbons. Alors je vais me mettre devant un truc parce que sinon ça les envoie trop loin.
Et s'il te plaît, là, voilà, partez pas trop loin. Voilà, hop, je pars dessus. Et je vais les récolter dans mon inventaire. Voilà. Et on le retrouve dans la section nourriture. Je vais avoir un petit bonbon comme ça à offrir à Ombre. Je pense qu'elle sera super contente dès qu'à la fin, je pourrai lui en donner. Ça te dit un petit tour en tandem? Allez, c'est parti. On va essayer de conduire prudemment, mais sûrement. Voilà, un petit tour en tandem. Ça, c'est chouette pour la Saint-Valentin. Toutes ces activités qu'on peut faire à deux et qui sont super agréables. Si vous ne savez pas où se trouve le tandem, eh bien, il suffit d'aller au magasin de véhicules juste à côté des tunnels et vous pouvez en acheter un. Waouh, c'est trop agréable. Ombre, action ou vérité? Ok, action. T'es pas capable d'aller chanter une chanson sur l'estrade? À l'occasion d'une petite sortie, vous pouvez aussi lui dire à quel point vous l'aimez dans toutes les langues, même dans la langue du hashtag de Roblox qui nous fait des hashtags partout. Mais c'est pas possible, ça c'est super pénible, j'en ai marre. Si toi aussi tu en as marre des hashtags dans Adopt Me, mets un commentaire et un gros pouce bleu. Pour fêter la fête des, pour faire la fête des amoureux, vous pouvez aussi faire une activité un peu extraordinaire, c'est-à-dire qui sorte de l'ordinaire, comme par exemple un voyage en montgolfière. Waouh! C'est quelque chose qu'on fait pas souvent quand on joue à Adopt Me parce que ben, on peut tout simplement monter autrement dans le château dans le ciel. Mais moi j'adore, en tout cas quand je joue avec les chouchous, et comme les chouchous je les aime beaucoup et Ombre aussi, eh bien je trouve que c'est une activité super chouette à faire. On voit toute la map vue d'en haut. Et alors la nuit comme ça c'est super beau. J'adore. Le ballon va repartir. Si on veut, on peut redescendre ben, en ballon tout simplement. Ou alors on peut aller faire une autre activité extraordinaire qui n'est pas d'acheter des potions. Surtout que celles-là, les trois, on peut les fabriquer. Mais c'est plutôt d'aller dans le tout en haut du château, dans le ciel. Et puis d'aller faire une activité que je ne ferai pas dans la vraie vie. Alors je ne sais pas si vous le feriez, mais c'est le saut à l'élastique. Ça, jamais vous me verrez faire un truc pareil dans la vraie vie. Wouhou! Alors que sur Adopt Me, j'adore. Ah, ça... Ok, la Saint-Valentin qui tourne mal, le drame. Une dernière idée que j'ai eue, mais alors je ne savais pas du tout comment vous montrer ça en vidéo. Une super activité que vous pouvez faire avec votre Valentin ou votre Valentine. C'est de faire un quiz pour savoir si vous vous connaissez bien. Alors évidemment, hein, la plupart de ces activités, vous pouvez les faire ailleurs que sur Adopt Me, mais je vous dis que ça peut être super sympa de le faire sur ce jeu. Je vais vous faire d'autres vidéos sur la Saint-Valentin. Cette fois-ci, ce sera sur les jeux de Roblox. Voilà, va y avoir des updates, en tout cas sur celle d'Adopt Me. Sur Adopt Me, c'est pas sûr, mais sur les autres jeux, il y a déjà des updates qui sont en cours. Je vous prépare tout ça, c'est pour très très vite là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire avec votre pseudo de Roblox pour essayer d'avoir les Robux que j'ai distribués en début de vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce, ça fait toujours plaisir si la vidéo vous a plu. De commenter, de partager, de quelque chose que j'ai pas dit encore, mais de vous abonner hein, si ma chaîne vous plaît. Salut les chouchous! Ah, et joyeux Saint-Valentin, ben oui, bien sûr. Bon, on se retrouve pour d'autres vidéos. Entre-temps, j'aurai le temps de vous la souhaiter. Salut!